Et salut à tous pour une nouvelle vidéo CNX Gaming. Et aujourd'hui les potos et les meufs, on va jouer à Minecraft avec Anis et tout. Du coup les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi les gars, je vous dis bon visionnage. Du coup voilà, ça charge. Bon, excusez-moi si c'est long. Oh là là, c'est long. On voit encore le petit skin là de Steve. Bon, c'est parti pour un nouvel épisode. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Ah, salut Yanis. Salut. Ça va ou quoi, mec? Ouais, ça va, tranquille, hein. Ah, je te dérange pas? Si, j'allais partir à la rose. En fait, pourquoi tu vas partir à la rose? Pour aller voir quelqu'un. C'est qui, ce quelqu'un? Non, je peux pas te dire, désolé. Allez, dis, s'il te plaît, je veux dire personne. Ok, je vais te dire. Ou bien, sinon, tu sais quoi, tu viens avec moi. Ok, je viens avec toi. Ok. Attention Yanis, hein, si c'est un truc bizarre, je le dis à tout le monde. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est pas un truc bizarre, c'est un truc normal. Ok. Du coup, pourquoi vas-tu à la rose? Enfin, je veux dire, tu vas voir qui à la rose? Quelqu'un. Mais c'est qui ce quelqu'un? Tu m'as pas dit c'est qui? C'est quelqu'un. Bon, ok, je parle pas, mais je te suis. Ok. Et maintenant? Il faut attendre 5 minutes. 5 minutes plus tard. Ah. Et alors, on part ou pas? Non, non, non. On attend 10 minutes. 10 minutes plus tard. 20 minutes plus tard. 30 minutes plus tard. Le narrateur n'a même plus de voix pour parler, pour dire 40 minutes plus tard. Bon, tu sais quoi, Yanis? Moi, je me casse, hein. Je sais même pas pourquoi t'es là. Non, attends. S'il te plaît, reste ici. Il faut que tu vois quand même. Non, je vais pas attendre encore 10 minutes de plus, je me casse. Oh, mais il est fou, lui. Je suis sûr que c'était un prank depuis tout ce temps. Il m'a fait patienter pour rien. Oh. Oh, monsieur Tobinson. Oh non, pas toi. Non, 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 restez ici, monsieur Tobinson. Je vous tiens. Vous savez qu'est-ce qu'il a, Yanis, en ce moment? Oui, je sais, il a quoi? Il veut pas l'avouer, mais il est amoureux. Oh, c'est vrai? Non, genre, lui. Lui, cet idiot, il a trouvé une copine? Non. Genre, non, non, non. Vas-y. J'en ai marre, moi. Je me casse. Allez, assez de Minecraft pour aujourd'hui, ça suffit, allez, ciao. Allez, c'était pas un rêve, hein. Réveille-toi, je t'ai dit. Réveille-toi, c'est pas un rêve. C'est vraiment vrai, genre, Yanis, il a trouvé une copine et pas moi. Ah, en parlant du loup. Yanis, alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Oui, d'ailleurs. Non, rien, je veux pas te cacher la surprise. Quelle surprise? Que t'es amoureux? Oh non, mais comment tu sais? C'est monsieur Tomlinson, il m'a dit. Oh là là, lui, je vais lui donner un coup, pas deux. Bon, comment toi, genre, toi, tu peux trouver une copine? Ben, moi déjà, j'ai plus de charme que toi.
Ma voix, elle est bien meilleure. Qu'est-ce que tu racontes? T'as la pire voix du monde, frère. Pardon, continue. Bon, ben, en fait, c'était passé hier. J'étais à la Rose en train de prendre le métro. J'ai rencontré une belle fille. Elle m'a donné son numéro. Et elle m'a donné un papier de son numéro dans mon sac. Oh là 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 là. Il faut te préparer alors, hein. Est-ce que t'as quoi pour charmer les filles, toi? T'as rien. On va demander à Monsieur Tobinson. Monsieur Tobinson? Non. Il faut le tenir, vite. Non, vous ne portez pas Monsieur Tobinson. Ok. C'est pourquoi, en fait? C'est pour, en fait, préparer Yanis à un rendez-vous amoureux. Non, je m'en fous, moi, de vos histoires d'amour. Je n'y connais rien. Mais oui, étant donné que vous n'avez pas trouvé l'amour. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je rigole. Oh, Yanis. Discussion entre potes, s'il te plaît. Pour charmer les filles, il faut... Yanis, je te parle. Pour charmer les filles, il faut d'abord impressionner. Mettons que... Imagine, genre, tu la rencontres, ensuite elle te dit je te quitte. Mais après tu seras triste et tout, alors pourquoi tu ne deviens pas célibataire? Tu peux faire tout ce que tu veux quand tu es célibataire. Tu peux faire plus de choses en tout cas. Yanis, mais pourquoi t'as mis tes AirPods? Tu m'écoutes pas en fait, c'est ça? Oui, je t'écoute. Non, je te parle même pas. Oh. Mais comment Yanis il veut écouter des conseils s'il m'écoute pas? Bon, il faut bien commencer par quelque chose, hein. Il veut voir sa compine. Quoique... Allez Yanis. Quoi? On rentre à la maison, il pleut. Mais je dois voir ma copine. Je m'en fous, t'as pas de copine, je suis sûr. Allez, viens, on rentre à la maison. Allez, rentre. Vas-y, mec, rentre. Bon, je voulais te parler d'un truc. Discussion entre potes. Pour la rupture amoureuse, si quelqu'un te quitte, après tu serais triste à vie. Alors que si t'es célibataire, tu serais bien. Pourquoi tu veux pas être célibataire? Parce que c'est mieux d'être amoureux. Mec, des fois j'aime bien avoir des discussions, j'aime bien être gênant des fois. Mais à partir du moment où on parle de l'amour, ça me regarde plus. Yanis, t'es un homme. T'as mon âge, mais t'es bientôt un homme. Hein. Tu peux te débrouiller tout seul. Hein. Je t'ai donné des conseils tout à l'heure, mais tu m'écoutes pas. Alors je t'invite à quitter ma maison. Mais je veux rien entendre. Oh, il est fou, lui. Il écoute pas mes conseils, mais en plus, je lui donne des conseils alors qu'il a mon âge. Oh, salut, Monsieur Tobinson. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu votre discussion. Ben, en fait, il veut pas écouter mes conseils. Je lui ai donné un conseil, c'est d'être un homme, d'avoir la confiance en soi. D'être une gigachade, quoi. Ah, ok, comme moi. Ouais, comme vous. Allez, rentrez. Pourquoi ça sent Yanis? Mais Yanis, c'est sérieux, pourquoi tu restes devant? J'ai envie d'entrer. Bon, vas-y, rentre. T'as pas de maison? Non. Eh ben, j'ai une idée. Tu vas prendre une maison de quelqu'un. Vas-y. Va ici. Voilà. Y'a pas de lit. Je m'en fous, tu te débrouilles.
Bon. Assez de blabla pour aujourd'hui, je vais dormir un peu, moi. Sept heures du matin. Pourquoi ça toque? Qu'est-ce qu'il y a, Yanis? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 7h du mat, là. Ah oui, il pleut fort aujourd'hui, hein. Ça y est, on a compris l'orage. Bon, je voulais te dire, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous amoureux. Tu peux me suivre, s'il te plaît? Pour voir ma copine? Pour me donner des conseils, d'homme? Mais mec, je t'ai dit, débrouille-toi. T'es sûr? Oui, débrouille-toi, fais ce que tu veux, mais me dérange pas à 7h du mat. Oh, non, je rigole, Yanis, reviens, Yanis. À suivre dans le prochain épisode. Moi. Yanis, reviens, je rigolais enfin.